Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo où je souhaite partager avec vous ce que j'ai testé, ce que je valide pour diminuer l'aspect de la peau d'orange, pour m'affiner, me galber, mincir. Warning, cette vidéo n'est pas faite pour faire l'apologie de la maigreur ou de la minceur. J'ai pas envie de voir des messages nuls en dessous de ma vidéo. Quoique, honnêtement, j'en fiche. Hein. Mais c'est fait pour partager parce que ça m'a été demandé. Tout d'abord, je suis maman de deux enfants, mon corps a évolué avec ces deux grossesses, ce qui est normal. Alors, la cellulite, hein, rapidos, l'hiver je m'en fiche, le printemps elle commence un peu, voilà, l'été j'aime pas avoir, l'été est pas très long en France, j'ai pas envie d'avoir, vous savez, la cellulite disgracieuse quand tu te mets en jupe, en short, tu croises les jambes, t'as les petits trucs là, machin, moi ça me plaît pas. Après, c'est pas du tout gênant en soi, mais ça me plaît pas. L'hiver je m'en fiche, j'y touche pas. C'est pour ça d'ailleurs que l'hiver je fabrique ma cellulite et puis l'été, enfin printemps, je diminue, je fais quelque chose pour me sentir bien et voilà. Je fais du sport là depuis le mois de janvier, j'ai décidé de, mais ça n'a pas fait totalement effet sur ma cellulite. J'ai vu quand même une amélioration, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est pas non plus pour diminuer la cellulite, il faut la masser, il faut la casser, il faut agir de l'intérieur et l'extérieur. Alors je vais vous partager deux choses qui ont fonctionné sur moi, sur la cellulite après grossesse. Donc c'est une vraie cellulite qui est installée un an et demi sans faire de sport ni rien pour ma première grossesse, pareil pour la deuxième. Donc on va commencer déjà par la première grossesse. J'ai utilisé cet engin, j'ai reçu plein de messages dessus, donc on va en parler parce que vous me dites mais maintenant tu utilises la ventouse et avant tu utilisais ça, qu'est-ce que t'en penses, nanana. Donc je vous explique. Première grossesse, premier bébé et tout ça, pleine de cellulite. T'as envie de te sentir... J'avais perdu mon poids et tout, mais j'avais envie de me sentir bien. Et cette cellulite, déjà avant d'être maman, je faisais attention. L'été, je mettais la crème et tout ça. Là, avec la grossesse, j'étais quand même pleine de cellulite au niveau des fesses et des cuisses. Une cellulite qu'on voyait sans pincer, donc pas terrible. J'utilisais ce robot sculptural de chez Solac. D'ailleurs, je vous glisse dans les informations les liens d'articles parce que j'en ai beaucoup parlé sur la toile. Voilà, donc ce robot, je m'en suis servi régulièrement pendant 2 mois. Ça m'a affiné, ça m'a galbé, ça a tué la cellulite, ça fait tout. En gros, tu l'allumes et puis tu masses. Tu peux l'utiliser sur les bras, le ventre, les fesses, les cuisses, c'est un super atout. Alors ce robot, vous voyez, il est doté d'une tête. Moi, c'était cette tête-là que j'utilisais. Et puis si jamais ça fait mal, parce qu'il y a la cellulite qui est douloureuse, alors ça, pour le coup, c'est pas du tout drôle, on utilise ça. Vous voyez, c'est tout neuf. Je m'en suis pas servie parce que moi, ça me faisait pas mal. On met dessus et du coup, ça atténue la douleur. Mais ça fait pas mal du tout. Voilà. Et il y a différentes drogues. Donc là, par exemple, on peut s'amuser à se faire un peeling, un gommage, nettoyer sa peau. Donc il y a un côté beauté. On peut faire un massage. Il y a plein de têtes. Et ça, ça permet... Ce robot sculptural de chez Solac, ça a été mon compagnon, je vous dis, l'été 2016, je l'ai utilisé à gogo, j'ai galbé mes cuisses, je me suis affinée, j'avais les jambes comme lorsque je faisais du jogging. Cette machine, oui je la recommande, pour la bonne raison que sur moi j'ai testé, que ça a fonctionné, que ça m'a galbé, ça m'a dessiné, je me suis sentie bien dans mon corps, sans faire de sport, et j'ai trouvé le même résultat que lorsque je fais du jogging, que je faisais du jogging. Quand je courais, ça vous dessine les jambes, en fait, vous voyez, ça fait vraiment un effet assez fin, assez agréable. Et moi, dans ma vie de maman, ben, j'avais pas le temps, j'avais pas courir avec la poussette, quoi qu'il y en a qui le font, mais moi, je voulais pas. Voilà. Il faut le faire de manière assidue, mais c'est comme tout. Si vous faites un régime pendant 2 jours et que ça sert à rien, ça fait le yo-yo, pareil, si vous faites, je vais vous montrer la ventouse, et vous le faites pas. Ça, je le faisais devant la télé et je prenais vraiment le temps. Je suis partie en vacances, je l'ai emmené avec moi sur la terrasse, face à la mer, vous savez, les locations. Je faisais mon robot. Ça fait du bruit, mais vous voyez, quand t'es motivé jusqu'au bout, sinon, voilà. Ça, top. Ça gale, ça tue la cellulite, on se sent bien dans son corps. Résultat obtenu, et comme je vous disais, on peut atteindre plusieurs zones. Je continue avec un autre ustensile. Génial. J'enlève tout ça. L'été de l'année dernière, je vous ai beaucoup parlé de la ventouse de chez Pure Essentiel. Donc cette ventouse, je vous ai dit qu'avant d'être enceinte, j'utilisais une ventouse qui était beaucoup moins bien que celle de chez Pure Essentiel. Attention, je ne fais pas du tout partie de la maison Pure Essentiel. J'aime beaucoup cette marque parce que sur moi, ça fait ses preuves. Et c'est pour ça que je vous en parle, composition clean. Et j'essaye de vous parler de plus en plus de produits clean, engagés, voilà. De pas vous parler de trucs caca boudin en me disant « Mon Dieu, de quoi j'ai... » Voilà. Pure Essentiel, j'ai totalement confiance. Et là, ça, l'été dernier... Je m'en suis beaucoup beaucoup servie. Je souris parce que ma fille, il n'y a pas longtemps, elle m'en a parlé. Elle m'a dit « Ah, tu l'as ressorti !»
Donc, c'est la ventouse, et cette ventouse, en fait, elle a une poignée. Donc, quand tu la prends, et que t'es pleine d'huile, parce que bah, faut l'aider, hein, pour que ça glisse, elle t'échappe pas des mains. Mon ancienne ventouse, eh ben, elle a volé dans l'appartement, très clairement. Celle-là, tu la tiens, elle bouge pas. On l'utilise avec l'huile de chez Pure Essentielle, qui a 18 huiles essentielles. Je vous ai écrit un article complet dessus, en dessous, dans les infos, comme pour le sculptural de chez Solac. Allez voir, ça je recommande. Voilà, donc vous voulez diminuer, vous avez de la cellulite, vous voulez vous galber, vous voulez travailler avec efficacité sur votre corps, il faut masser. Vous avez été nombreuses à me demander de comparer le sculptural de chez Solac et la ventouse. Alors je les aime tous les deux autant. Pourquoi l'été dernier j'utilisais plus la ventouse que ça? Bah parce que l'été dernier j'ai découvert la ventouse. En fait je suis blogueuse donc je teste. Mais j'aime les deux autant parce que je trouve que les deux sont tout aussi efficaces. Maintenant je vous donne quelques petits indices. Le sculptural de chez Solac, il va vous falloir plutôt 10 minutes par cuisse, par fesse. Puis après si vous faites les bras, le ventre, c'est vous qui voyez vos séances. Ça c'est à peu près 2-3 minutes. Ça dépend aussi, pareil, si je voulais insister. Mais voilà, là, c'est un petit peu moins longtemps. Mais, comme je vous dis, l'effet massant est hyper, hyper efficace avec les deux. Là, il vous faut une prise. D'ailleurs, le cordon est très long, très pratique. Ça, j'aime beaucoup. Là, pas de prise. Cool. Petit, pratique, un peu plus gros, un peu plus bruyant, mais efficace. Pour les personnes qui ont des soucis veineux, on n'a pas l'effet succion. Donc si par exemple vous avez tendance à avoir des petites varices et tout ça, je vous conseillerais plus le sculptural de chez Solac. La ventouse, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très efficace, c'est rapide, c'est 3 minutes dans ma vie de maman là, ben voilà, c'est fait, c'est vite fait, t'as pas d'excuses en fait. Je trouve que le sculptural de chez Solac est plus facile à utiliser que la ventouse. Parce que le sculptural de chez Solac, en fait, t'as rien à faire, tu le passes, tu fais ton truc là, comme ça, t'as rien à faire. La ventouse, bah c'est toi qui fais les mouvements. Mais franchement, c'est pas difficile. Hein. Tu fais des ronds, tu sais faire des ronds, ça va, tu vois, tu fais comme ça. Et tout est expliqué d'ailleurs dans la notice. Donc c'est vous qui voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux sont efficaces, ils ont fait leur preuve sur moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans cette vidéo. Et les deux, je les recommande. J'en aime pas plus un que l'autre. Je vais continuer avec Pure Essentielle. Pourquoi? Alors, je vous parle régulièrement de Pure Essentielle. Pour plusieurs raisons. Déjà, un, c'est que j'aime ces produits. Ce sont des produits que je reçois gratuitement et aussi que j'achète dans ma vie de femme, de maman, de... Voilà. On s'est compris, des produits qui sont clean, qui sont engagés. Voilà, Pure Essentielle, c'est une très jolie marque. Et compo clean. Pour moi, c'est important parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et j'essaie de faire attention de vous parler des produits, pas caca boudin. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me dis, si à cause de moi, vous utilisez des produits crades, bah je m'en voudrais. Et puis aussi, en devenant maman, je suis plus la même jeune fille. D'ailleurs, je suis plus une jeune fille que celle que j'étais en 2013. En 2013, j'étais un peu plus « Allez, vas-y, j'essaye et tout. » Là, maintenant, je me dis « Bon, il y a quoi à l'intérieur, tu vois ?» Donc, je suis quand même consciente que je fais ça à mon corps. On nourrit notre propre cancer en utilisant des produits crades. Oui. Donc là, j'ai reçu un colis Pure Essentielle. Et c'est un produit minceur. Et dedans, il y a une nouveauté. Je vais vous montrer des produits que j'ai testés l'été dernier. Et je les ai utilisés et je les ai adorés. Donc ça tombe très bien, je vais vous les montrer. Si vous voulez préparer l'été, mincir, retirer cette cellulite, drainer, je vais vous montrer tout ça. Je commence avec ma chouchoute, c'est la ventouse, l'huile qui accompagne, 18 huiles essentielles, elle dégorge, elle gaine le corps, ça fait vraiment un joli résultat. On peut s'habiller rapidement après, 3 minutes, c'est top. Allez voir, je vous ai mis en dessous dans les informations le lien de mon article. Je recommande la ventouse, j'adore. Elle est vendue dans sa boîte avec sa petite pochette. Je continue avec le drainer. Je vous ai ouvert la boîte. Ah, j'ai secoué en plus. Non, mais je suis nunuche. Donc ça, c'est une boisson. Ah, je suis nunuche. Je me déteste des fois, tu sais, tu fais des trucs, tu te dis, mais pourquoi tu secouilles la poudre à l'intérieur, Claire? Donc, ils m'ont envoyé la gourde. Ça, c'est une gourde qu'on remplit d'eau. Et à l'intérieur, on met des petites dosettes de ce drainer. Donc, à l'intérieur, flûte. À l'intérieur, il y a des actifs phytominceurs, complexe enzymatique d'ananas, huile essentielle de pamplemousse, citron, orange sanguine. Ça sert à drainer, aider à contrôler le poids, lutte contre la cellulite. C'est un 3 en 1, 100% d'origine naturelle. J'insiste. Pourquoi? Parce que moi, les draineurs, j'en ai pris avant d'être maman. Et avant, je faisais pas attention. Donc, je prenais avant, je vais vous dire ce que je prenais. Forte Pharma 4-3-2-1. Donc, c'était un truc que tu mettais tes bouchons, 4 bouchons, 3 doubles. Voilà. C'est efficace. Je ne sais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je te promets ça, l'été, voilà. C'est vrai que maintenant, quand je prends un drainer, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur parce que je fais attention à ce que je mange. Pareil pour mes compléments alimentaires. Donc c'est vrai que maintenant, je regarde vraiment plus qu'avant.
Et le drainer, bah c'est pour moi c'est plus essentiel, tout simplement. Alors je vous montre comment c'est. J'espère que ça va pas partir en... Ah sinon je suis dégoûtée. Donc c'est une boîte, d'ailleurs qu'on pourrait recycler. Moi j'aime bien recycler les boîtes comme ça. Tu mets tes stylos. Moi je suis maman, hein, donc je mets les feutres, tous les trucs dedans. Et tu fais découvrir les enfants. Ça a un goût très subtil, c'est très léger, ça passe tout seul. Je recommande et moi je l'aime bien frais. D'ailleurs, quand je l'ai fini, je me dis, ah, j'en aurais bien mis un petit peu plus dans ma journée. Donc ça, c'est le drainer. La boîte, elle dure un mois. C'est cool. Ça, c'est la nouveauté pure essentielle. Regardez le petit bec verseur. Ça m'a l'air d'être assez... Vous voyez ce que je veux dire Non, vous voyez pas. Texture... Allez, je regarde. La nana. Ouais, faut pas en perdre. Hein. Ah, ça sent trop bon. On commence déjà à agir. Ah, j'aime pas. Je reçois des produits, hein, mais j'ai pas envie de perdre du produit sans. Ça sent trop bon. Ça sert à quoi? Après, je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur. Amincit visiblement la silhouette, améliore l'aspect de la cellulite et raffermit la peau. Moi, généralement, je dis qu'est-ce que ça fait et après, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me va. Caféine boostée plus 167%. Origine naturelle enrichie d'un extrait marin qui stimule l'action de la caféine. La caféine, on sait que c'est notre copine hein, quand on a de la cellulite. Je pense que tu sais peut-être si tu regardes cette vidéo, sinon c'est que hein, tu sens la planète Mars. Formule unique boostée, 18 huiles essentielles, le cocktail minceur pur essentiel, caféine 100% pure et naturelle, extrait marin. Extrait végétaux de bourgeons de marronnier, de châtaignier, algues rouges, effet mince, amincissant 90% de gens contents, 85% peau raffermie et tonifiée 85%. 0% de talcol, parfum de synthèse, huile minérale, parabènes, colorants, phénoxathénol. Clean. Alors, il conseille de l'appliquer sur les zones à traiter, les cuisses, les fesses, le ventre, la hanche, 2 fois par jour, pendant 4 semaines, donc matin et soir. On n'utilise pas avant 15 ans. S'il y a des petites jeunes qui me regardent, pas avant 15 ans. Voilà, ça c'est la nouveauté. Je vous dis ce que j'en pense très très bientôt. Je continue avec 2 produits qui m'ont pas été envoyés, mais qui pour moi sont vraiment très intéressants. Il y a l'inhalateur qui permet de couper cette envie de sucre, de faim. Alors je pense à 11h, je pense au goûter, je pense à 19h, moi c'est plutôt 19h le soir, quand j'attends mon chéri et tout, j'ai faim, j'ai envie de manger des bretzels, j'ai envie de manger du fromage, un petit bout de pain. Voilà, faut pas grignoter. Et c'est vrai que l'inhalateur, c'est bien, parce qu'en fait à l'intérieur déjà il y a des huiles essentielles, tu te mets pas n'importe quoi dans les narines, et qui vont agir sur cette envie de sucre, de faim, de, on s'est compris, t'apaiser, et donc stop au grignotage. C'est pas un coupe-faim, genre une éponge que tu prends, parce qu'il y a des coupe-faims qui existent comme ça, hein, que tu prends, tu bois de l'eau, puis ça te gonfle dans ton estomac, et après, bah t'as pas faim. Mais ça, c'est un leurre. Là, c'est vraiment des huiles essentielles qui vont apaiser cette envie. Donc ça, je recommande, on est dans les 7 euros. Et il y a un truc que moi, j'aurais bien aimé tester, c'est l'huile de soin bio de chez Pure Essentiel. J'adore les produits Pure Essentiel. Et c'est une huile minceur, vous savez, qui est vendue... Je plie la documentation dans la petite bouteille comme ça. Ça, ça me fait trop envie. Alors sinon, il existe aussi un gommage. Ben, hein, c'est quand même mieux de faire un gommage avant d'appliquer des huiles et des soins parce que la peau va plus apprécier les soins, mais ça, vous vous en doutez. Ils ont fait un gommage express spécial minceur. Pur essentiel, super qualité. Je recommande les yeux fermés. Et pour préparer les beaux jours, pour se sentir bien, c'est un super allié. Voilà, donc je vous ai parlé de tous ces produits, ça je teste et je vous en parle bientôt. Ils m'ont envoyé un petit guide des bonnes bases, vous savez, pour prendre soin de soi. Donc il y a plein d'idées recettes que je vais regarder parce que j'adore cuisiner avec des menus. Je trouve ça trop cool. Minceur Express. Ah c'est cool, 8 semaines de recettes minceur qui ont été faites par un docteur nutritionniste. Donc il y a la phase détox. Des conseils pour préparer son repas, comment bien s'hydrater. Le matin, il faut bien boire après une nuit de sommeil. Le corps est complètement déshydraté. Et la planche, ça je le sais. La planche, les abdos ciseaux, le mountain climber. Ah, c'est trop cool. Alors, ça je fais, la planche. D'ailleurs, je vous ai prévu une vidéo bientôt pour faire du sport avec moi. Sachant que je suis pas coach, il vous faudra faire bien, hein, mais je trouve que ça fait trop du bien. Le mountain climber, ça marche trop bien. Les abdos ciseaux, je fais pas. Le crunch, je fais pas. J'arrive pas à bien mettre, vous savez, comme ça. La chaise, je fais pas non plus. Je fais d'autres choses. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bon, bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On reparle bientôt de ce que j'aurai testé. On reparle bientôt de préparer ces beaux jours. Je vous ai prévu différents contenus. Enfin, je les ai pas encore filmés. Mais j'ai dans ma petite tête décidé de choses que j'aimerais partager avec vous dans des articles, des vidéos, sur Insta.
sur YouTube, sur Pinterest, parce que je m'y suis mis, sur le blog. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss !